وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ces cours dans l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran al-Karim. Aujourd'hui, nous allons, bi'idhnillah, expliquer la surah At-Takathur. On va voir qu'est-ce que ça veut dire At-Takathur. Ça a été traduit par la course aux richesses, mais on va inshallah parler de cela. Surah At-Takathur, c'est une surah pré-égyrienne, c'est-à-dire Mekkiya. Elle est de 8 versets et dans l'ordre des surahs du Coran, c'est la 102e surah. Dans l'ordre de révélation, c'est la 16e. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que l'ordre de révélation, c'est quelque chose qui est relatif. C'est pas les savants ont fait un effort de donner l'ordre de révélation des surahs. On sait très bien qu'il y a des surahs qui ont été révélées entièrement, d'autres en partie. Donc c'est approximatif parfois. C'est pas comme l'ordre qui est dans le Coran. Celui-là, il est clair. Non. L'ordre actuel. Quoi qu'il en soit, Allah tabaraka wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Al-haakumu at-takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر Ça commence par ce verset-là. Et d'ailleurs, le titre de la surah, il a été pris de ce verset de At-Takathur. Al-Hakum, quand Allah Ta'ala dit Al-Hakum At-Takathur, ça veut dire la course vers le surplus. On va voir le surplus de quoi? Ou le plus, ou la course aux richesses, la course aux biens, la course au plus d'enfants, la course au plus d'orgueil, la course au plus de suiveurs, la course au plus. C'est ça At-Takathur. At-takathur, c'est d'emmagasiner, de vouloir plus. Plus de quoi? Plus de tout. Plus de tout de ce bas monde. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala réprimande ces gens-là, ceux qui ont été distraits par le vouloir plus. Ils ont été distraits de ce pourquoi Allah les a créés, qui est le fait d'adorer Allah unique sans lui donner d'associés. Ils ont été distraits du fait de chercher à connaître Allah tabaraka wa ta'ala à travers sa création, à travers ses noms et ses qualités. Ils ont été distraits des ordres religieux qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a imposés. Tout ça pourquoi?
à cause du takathur, à cause du vouloir plus, de la course vers les biens. Wa takathur, les ulama ont dit que ce n'est pas seulement en ce qui concerne l'argent, la course aux biens ou aux richesses. Bien sûr, c'est la course vers les richesses est concernée par ce verset ou par cette mise en garde d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais tout ce qui est autre que vouloir le visage d'Allah, tout ce qui distrait des devoirs religieux en voulant en acquérir plus, en cherchant le plus. Celui qui cherche plus de célébrité, il est occupé par la célébrité et il cherche de plus en plus de célébrité. Il rentre de takathur. Et cette célébrité, la course vers la célébrité, elle l'a aveuglé de chercher le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà, yarhamukallah. Et elle l'a détourné du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cherché à plaire aux gens au lieu de chercher à plaire à Allah. At-takathur, c'est aussi l'atba', kathratul atba'. Cherchez beaucoup de suiveurs. Moi, j'ai tant de suiveurs sur Twitter. Moi, j'ai tant de suiveurs sur Twitter. Moi, j'ai tant de fidèles. At-takathur, c'est aussi les tribus, les pays qui se vantent les uns envers sur les autres. Nous, on est beaucoup plus, notre tribu, on est plus que votre tribu. On est plus riche, on est plus fort, on est plus kada kada. Tout ça, ça rentre dans at-takathur. Et toutes ces recherches et cette course vers le plus des biens éphémères de ce bas monde, que ce soit des biens matériels, comme l'argent, comme les choses, comme les femmes, comme le plus, ou bien des biens aussi de ce bas monde, qui ne sont pas matériels, qui sont des biens non perceptibles, comme la célébrité, comme le nombre de suiveurs, même si c'est perceptible, mais c'est pas un gain matériel derrière. C'est un gain au niveau de son orgueil et au niveau de la recherche à la célébrité ou la recherche d'une place en ce monde et non pas une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ces gens-là. Il a blâmé tous ceux qui sont distraits par ce vouloir plus, distrait de leurs devoirs religieux, distrait de vouloir plaire à Allah, distrait et éloigné du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, comment aussi, subhanallah, aujourd'hui on voit cela. Certains sont tellement distraits et occupés à chercher à trouver de plus en plus de nombre de suiveurs et à chercher à plaire à la masse que son discours et ses positions, elles ne sont pas conformes à ce que Allah Ta'ala veut de lui, mais à ce que la masse veut de lui. Ça aussi, c'est chercher le plus des choses de ce bas monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est comme l'histoire des deux personnes dans Sourate Al-Kahf, dont on a déjà parlé, mais aussi quand il a dit à son compagnon, Ana aktharu minka mala wa a'azzu nafara. J'ai plus d'argent que toi. Donc il s'est vanté sur son compagnon d'avoir plus que lui et ce surplus qu'il a voulu avoir, cela l'a détourné de quoi? D'être reconnaissant envers son créateur subhanahu wa ta'ala, d'être humble envers les créatures d'Allah et de chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avec cet argent et ses biens qu'Allah lui a donné. Donc c'est ça le sens de Al-Hakumut Takathur. Vous avez été distrait par votre course derrière les richesses, derrière le surplus de célébrités, de suiveurs, derrière votre surplus de votre tribu, de votre groupe, etc. Naam. Hatta zurtumul maqabir. Hatta l'ilraya, c'est-à-dire que vous êtes cette course ineffrénée. C'est jusqu'à quand?
jusqu'au moment de la mort. Quand la mort arrivera, cette course s'arrêtera. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de la mort en disant jusqu'à ce que vous visitiez les cimetières ou les tombes. C'est pas il va visiter les tombes, il marche. Mais jusqu'à que vous mouriez. Et pourquoi ici Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de visite en disant jusqu'à que vous visitiez les tombes. Comme l'a dit Omar ibn Abdil Aziz, rahimahullah, c'est que quand ça, ceci est une preuve que le monde du barzakh, le monde de la tombe, est un passage et n'est pas un monde dans lequel nous restons. Nous sommes juste en visite dans ce monde-là. Et on appelle quelqu'un un visiteur du fait qu'il ne reste pas dans cet endroit-là. Comme ici dans ce bas monde aussi, on est des voyageurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, je suis dans ce bas monde, ma li walid dunya. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce bas monde, il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn Khattab. Il a dit, ma ana fi hadhihi dunya, je suis dans ce bas monde que comme une personne qui s'est, un voyageur, qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis il s'est levé et il est parti. Et il a dit à Abdullah ibn Omar en le prenant par ses épaules, kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil. Soit dans ce bas monde, comme un étranger ou un homme de passage. Donc, ça, dans ce monde, on est passager, on est voyageur. Dans la tombe, on est visiteur. Et après la tombe et la résurrection, on entrera dans notre demeure éternelle, soit le paradis, soit l'enfer, sauf pour les pécheurs, les grands pécheurs de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, par sa justice, châtiera un moment en enfer, puis ils rentreront dans leur demeure éternelle, qui est le paradis. Donc, ici, c'est une, barakallahu fikum, une preuve que le passage dans la tombe aussi n'est qu'un passage, n'est pas une demeure terminale ou définitive. Et beaucoup de gens, surtout en les arabophones, quand quelqu'un meurt, ils écrivent comme ça dans les journaux, intaqala ila mathwahu al-akhir, ou quelque chose dans ce genre-là. Ou ila mathwahu al-akhir. Il est parti vers sa dernière demeure. Ou vers sa demeure finale, ils disent. Et ceci est une parole grave, qui est fausse. C'est une erreur de dire cela. Celui qui sait ce qu'il dit, il est en train de dire une parole de kufr, parce qu'il est en train de renier le jour de la résurrection en disant ça. En disant cette parole, il renie le jour de la résurrection en disant qu'il va à sa dernière demeure en parlant de la tombe. Donc les ulama comme Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a mis en garde et a attiré l'attention de ne pas utiliser ce terme. Quand quelqu'un meurt, on ne dit pas il a été vers sa demeure finale ou vers sa dernière demeure. Car le monde de la tombe n'est qu'un monde de passage, n'est qu'un monde de visite, comme on a vu dans ce verset. Hatta zurtumul maqabir. Et cette course ineffrénée, elle est tout au long de ce bas monde, tout le temps, jusqu'à que la mort vienne. Quand la mort vient, cette course s'arrête. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla, on a déjà parlé du sens de kalla, c'est pour la dissuasion ou pour reprocher ou pour blâmer. Kalla, certes non. Non. Et aussi dans le sens ici de confirmer vraiment, vous saurez. Mais non, dans le sens, c'est sûr, vraiment, vous allez voir. Non. Vous serez quoi quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla sawfa ta'lamun. Qu'est-ce qu'ils sauront? Ils sauront que tout ce derrière quoi ils ont couru, et que cette course ineffrénée derrière les biens, derrière la célébrité, derrière le surplus de biens, le surplus de célébrité, le surplus ou le toujours plus, plutôt pas le surplus, mais le toujours plus de ce bas monde,
alors cela ne les protégera en rien du châtiment d'Allah. Cela ne leur aura servi à rien. C'est ça dans le sens. Kalla sawfa ta'lamun. Certes, non, mais non, vraiment, vous saurez. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala confirme encore une fois, thumma kalla, encore une fois, sawfa ta'lamun. Vous saurez bientôt. Sawfa, c'est dans le futur proche. Sawfa ta'lamun, vous allez bientôt savoir. Ici, c'est dans le sens, bientôt vous allez savoir. C'est un futur proche et pas un futur lointain. Barakallahu fikum. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, et ce hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Shikhir, radiallahu anhu, qui a dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors qu'il lisait, Al-Hakumut Takathur. Puis il a dit, le fils d'Adam dit, mes biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô fils d'Adam, est-ce que tu n'as de tes biens que ce que tu as mangé et que tu as épuisé? Ou ce que tu as habillé et que tu as usé? Ou ce que tu as donné en aumône et que tu as retardé à plus tard, que tu as gardé, tu as épargné? Les biens de l'être humain, ils ne sortent pas de cela. Ou bien ce qu'il a, c'est ce qu'il épuise et il ne le retrouvera pas dans l'au-delà. Ou bien ce qu'il a, c'est ce qu'il épargne pour la vie future et il le retrouvera. Et Allah Ta'ala yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Il le multiplie et il donne une grande récompense pour cela, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez sa femme, notre mère Aïcha radiallahu anha, et qu'elle avait fait aumône de tout un mouton en sacrifice, elle avait gardé que l'épaule. Elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, ou alors Aïcha radiallahu anha plutôt lui a dit, tout est parti sauf l'épaule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais plutôt, tout est resté sauf l'épaule. Comment ça, tout est resté sauf l'épaule? Tout ce qu'elle a donné en aumône, c'est resté auprès d'Allah. Et c'est resté pour la personne qui l'a dépensé. Elle va le retrouver. Mais l'épaule, ils vont le manger, elle ne restera pas. Non. C'est dans ce sens-là, barakallahu fikum, ce hadith, où il parle des biens du fils d'Adam. Ou bien c'est ce qu'il a usé, ou bien c'est ce qu'il va épargner et le garder pour son au-delà. Et c'est dans ce sens-là aussi que la parole d'Allah tabarak wa ta'ala qui fait peur est venue. Et cette parole, Omar ibn al-Khattab la répétait, ce verset, radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il le répétait sans cesse. Il a vu son fils un matin, Abdullah ibn Omar, en train de se diriger vers le marché. Il lui dit, Ya Abdullah, où vas-tu? Il a dit, on a eu envie de viande, je vais acheter de la viande. Il lui a dit, pourquoi vous achetez tout ce que vous avez envie? Après, il lui a récité ces versets. Même si ce verset, à la base, il est descendu pour le kuffar, mais Omar ibn Khattab, il a compris aussi que ça pouvait être dirigé vers les croyants. Il a dit, vous avez épuisé tayyibatikum, tous vos bienfaits dans votre vie de ce bas monde. C'est-à-dire, plus on épuise des bienfaits dans ce monde, moins on en retrouve dans l'au-delà. C'est pour cela que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient d'épuiser le moins possible de leurs bienfaits dans ce monde. Ils utilisaient de ce monde que ce qui est nécessaire pour préparer son au-delà. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, même après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mort d'Abu Bakr al-Siddiq, il vivait une vie rude. Et qu'ils ont tout essayé, les compagnons. Ils lui ont envoyé des gens pour le convaincre, parce que les gens qui étaient les ministres avec Omar, ces gens qui étaient à côté de lui, ils ne supportaient pas sa nourriture et son mode de vie. C'était trop rude pour eux. Ils lui ont même envoyé les mères des croyants pour le convaincre
de changer de mode de vie. Il leur a répondu avec dureté et avec fermeté. Et il a rappelé à Hafsa. Il a dit, mais tu ne te souviens pas quand je suis venu chez toi à sa fille? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé sur la natte et que la natte elle avait fait des traces sur son côté et que j'ai pleuré, je lui ai dit, ô messager d'Allah, les rois des Perses et des Byzantins, ils dorment, ils sont dans les bienfaits. Toi, tu es le messager d'Allah, tu dors comme ça, tu es sur une natte, la natte elle laisse des traces sur ton côté. Il a pleuré lors de l'anneau quand il a vu cette image. Il s'est dit, comment le messager d'Allah il peut être dans cet état-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire dans une autre version, tu préfères qu'eux ils aient l'au-delà et nous on ait ce bas monde, ya Omar? Je ne suis dans ce bas monde que comme un voyageur qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre puis qui s'est levé et qui est parti. Après Hafsa, elle a pleuré. Il a parlé à Ummul Mu'minin Aisha. Tu te souviens pas, pendant 2 mois, vous n'aviez même pas de feu pour faire à manger chez le messager d'Allah. Maintenant, tu viens me dire à moi de changer ma façon de vivre. Wallahi, je ne quitterai pas le pas de mes deux compagnons d'un pas, d'une coudée, d'un empan. Je vais les suivre comme ils étaient. Il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr al-Siddiq. Quand l'islam s'est répandu, les richesses elles sont venues et que... il y a eu certains gouverneurs parmi les compagnons qui étaient en Syrie. La Syrie, la vie, elle était plus aisée. Omar, de temps à autre, il aimait leur faire une surprise. Il arrive comme ça, fajatan, en surprise, pour vérifier. Pas parce qu'ils font des péchés. Non, c'est des gens qui craignent Allah, c'est les meilleurs hommes après les prophètes. Mais parce qu'ils voulaient que ce soit des modèles. Parce qu'ils voulaient que les sahaba, ils restent comme ils étaient. Pour pas que les gens après ils les prennent en modèle et ils s'élargissent dans les choses de ce monde. Et après l'amour de ce monde, ils rentrent dans leur cœur. Donc il était très exigeant avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très strict. Il rentrait chez l'un d'eux. S'il trouve un peu trop de vêtements ou un tapis, il mettait tout en boule au milieu de sa maison. Il le tape avec son petit bâton. Il dit attends, je reviens, tu vas voir. Quand il était à sa porte, il voit une chaîne. Il dit comment une chaîne? Je frappe, je dis assalamu alaikum, on me demande c'est qui? Ça n'existe pas. Pour eux, quand tu demandes c'est qui, ça veut dire y a un problème. Quand il lui a dit c'est qui, il lui a dit une nouvelle qui va t'attrister. Il a dit qui? Une nouvelle qui va t'attrister. Emir al-Mu'minin. Il a eu peur, il est rentré. Radiallahu anhu. Et jusqu'à qu'il est arrivé chez Abi Darda. Radiallahu anhu. Il a dit, puis-je entrer? Il n'y avait pas de cadenas. Il est entré comme ça. Il lui a dit, entre. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait rien dans la maison. Omar, il a commencé à chercher Abu Darda en scrutant le sol avec ses mains dans la nuit jusqu'à qu'il l'a touché. Il avait un kamis tout léger alors qu'en Syrie, il fait froid. Il lui a dit, Abu Darda, je ne te donne pas assez de pension pour que tu t'habilles mieux que ça. Parce qu'il donnait une pension, Omar radiallahu anhu, aux gens de Badr, une plus grande pension, aux gens de Uhud, une autre pension. Selon leur mérite dans la religion, ils avaient une pension. De l'argent de Beit Mal Muslimin. Il lui a dit, je ne te donne pas assez de pension pour que tu t'habilles. Et Abu Darda, radiallahu anhu, il commence à se rappeler entre toute la nuit comment ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment Allah leur a ouvert les portes de ce monde en train de pleurer toute la nuit. L'un en rappelle à l'autre, l'autre rappelle à l'autre. Après, il dit, on n'a pas prié, ya Omar. Il a dit, on était en prière. Depuis le début de la nuit, on était en prière. Car ils étaient dans l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà comment ils étaient, Salaf al-Saleh. Comment ils étaient, Omar radiallahu anhu. Comment ils avaient peur d'épuiser leurs bienfaits dans ce monde. Et de peur que cela diminue, ne serait-ce que cela leur diminue la récompense dans l'au-delà. Mais eux, la peur, elle allait plus loin que ça. Ils avaient peur que ça annule leur récompense complètement. Rien que des petits bienfaits de ce monde. Car nous connaissons tous le hadith. Du prophète alayhi salatu wassalam, hadith sahih, authentique, que quand un mécréant fait un bien, Allah tabaraka wa ta'ala lui donne sa récompense en ce monde pour qu'il se retrouve le jour du jugement dernier sans récompense. Mais par contre, quand un croyant fait une bonne action, Allah lui garde sa récompense pour l'au-delà et lui donne dans ce monde la baraka, une petite bénédiction de ses bonnes actions qu'il a faites, juste pour qu'il puisse vivre avec, il lui donne un peu de risque, un peu de subsistance par la cause de ces bonnes actions-là. Donc c'est ça qui faisait peur aux compagnons, radiallahu anhum. C'est qu'ils croyaient que quand ils recevaient plus de choses de ce bas monde, qu'Allah il leur a empressé les récompenses et qu'ils ne retrouveraient rien le jour du jugement dernier.
Nous, comme Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran, l'être humain, quand son Seigneur le teste, l'éprouve, et lui ouvre de ses largesses, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Et quand son Seigneur l'éprouve et lui rétrécit sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Allah, il dit « Certes non ». Dans les deux cas, ton Seigneur, il t'a éprouvé. En te donnant, il t'a éprouvé, il t'a testé. Et en te privant, il t'a testé. Mais aujourd'hui, nous, on est tellement attachés à ce bas monde qu'on mesure l'amour d'Allah pour nous selon comment il nous facilite dans les choses matérielles. Wallahi, on est vraiment des ignorants d'Allah. Et on est vraiment ignorants de la sunna d'Allah, de comment Allah agit sur cette terre avec les croyants, avec les mécréants. Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas l'être le plus aimé d'Allah? Comment était sa vie, akhi? Quelle épreuve il a eue? Il a perdu les plus proches. Ses proches, ils l'ont traité de sorcier, de fou. Ils ont voulu le tuer. Sa tribu. Pour eux, il n'y a pas plus sûr que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont fait toutes les manigances contre lui. Il a subi combien de temps dans le désert de la Mecque avec la famille et les compagnons et les croyants, la famine. Quand ils ont subi le blocus, est-ce que c'est comme ça qu'on mesure l'amour d'Allah pour un serviteur? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quand Allah aime des gens, il les éprouve. Et les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhim salatu wassalam. Puis les plus proches d'eux, puis les plus proches. Donc, c'est quand tu es dans l'aisance matérielle et que tout va bien qu'il faut que tu aies peur, que tu te poses des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens, il leur arrive un malheur. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je fais tout bien, il m'arrive un malheur. Subhanallah, t'adores Allah pour ce bas monde, ya akhi. Tu adores Allah juste pour être tranquille matériellement dans ce monde. Tu n'as pas compris qu'on est ici de passage, que cette vie-là, ce n'est pas une vie où on reste. Il faut qu'on la déteste, cette vie. On la hait. Et on aime l'au-delà. C'était ça la force des compagnons. Cette vie-là, ils n'en avaient que faire. C'est juste un moyen de passage. Un pont. Il faut que je passe sur ce pont, je passe sur le pont. J'en ai besoin pour passer de l'autre côté. C'est tout. C'est ça ce bas monde. Donc, voilà les biens. Comme il est venu dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le hakum al-takathur, et il a résumé les biens de l'être humain, c'est quoi? Ce qu'il va user en l'utilisant et ce qu'il va garder pour l'au-delà en faisant aumône ou en l'utilisant dans les bonnes actions. Walhamdulillah. Donc, kalla sawfa ta'lamoun, thumma kalla sawfa ta'lamoun, kalla law ta'lamoun ilm al-yaqin. Puis Allah tabarak wa ta'ala redit, certes, sûrement, si vous saviez d'une science certaine, c'est-à-dire que si vraiment vous saviez ce qui vous attend dans l'au-delà, si vous saviez ce qu'il vous attend dans la tombe, si vous saviez réellement d'une science certaine les châtiments et les délices de la tombe, les questions des anges, le jour de la résurrection, le questionnement, la balance, le paradis et l'enfer, vous n'auriez jamais agi de la sorte. Vous n'auriez jamais été distrait de vos obligations religieuses, distrait du chemin d'Allah. Par quoi? Par le vouloir plus. Par le vouloir plus de richesse. Par vouloir toujours plus de célébrité, plus de suiveurs, plus de plus, plus. Et vous n'auriez pas agi de la sorte. C'est ça dans le sens qu'Allah, لو تعلمون علم اليقين. Et ici, barakallahu fikum, entre ce verset et le prochain, il faut faire un waqf. Il ne faut pas lier entre كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Si on fait la liaison, ça change complètement le sens. Parce que si on dit لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم, c'est un شرط وجواب شرط. Dans le sens, c'est comme si on disait que la personne ne verra l'enfer que s'il a l'incertitude. Que s'il a la science certaine. Sinon, il ne verra pas l'enfer. Et ça, c'est faux. Au contraire, justement. C'est le contraire de ce que le verset dit. Car celui qui a la science certaine, il ne va pas agir de cette manière. Et il ne verra pas, Inch'Allah, l'enfer. Enfin, il va le voir de loin, mais il ne le goûtera pas. Naam. Donc, attention ici, il faut le waqf. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. La tarawunna al-jahim. Ce n'est pas lié. Sinon, en arabe, ça fait shart wa jawab shart. Et short ou jawab short, c'est-à-dire jawab short, il se passe que s'il y a le short. La réponse à la condition, elle se passe que si la condition est présente. Donc ça changerait tout le sens du verset du Coran.
Et justement, les ulama mettent en garde que beaucoup de gens, sans prêter attention, ils font la liaison entre les deux versets. Et ça change complètement le sens du verset. Et on a dit auparavant que la sunna, en général, c'est de s'arrêter à chaque verset. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'arrêter en général à chaque verset. Pourquoi il y a des versets? Pourquoi on a mis des versets s'il ne faut pas s'arrêter entre chacun? Pourquoi il y a des débuts et des fins de versets qui sont cités? Donc la sunna, c'est de s'arrêter, sauf exception, voilà, selon la divergence des savants. Est-ce qu'effectivement il y a exception quand la langue arabe, elle demande de ne pas s'arrêter parce que sinon le sens, il n'est pas complet? Ou on s'arrête quand même, mais on continue à lire les versets après? Ah, là, il y a divergence entre les savants. Tout ça, ça revient à est-ce que dans la langue arabe ou dans le sens, ça change quelque chose ou non. Non. Donc, كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. Vous verrez certes el-jahim. El-jahim, c'est la fournaise, c'est le feu de l'enfer. Et ici, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ لِلْتَأْكِيدِ. Et aussi, نُون المشددة للتأكيد لَتَرَوُنَّ deux fois تأكيد sur certains, je vous confirme, il n'y a aucun doute, vous allez voir l'enfer. Tout le monde va le voir, de proche ou de loin. Ceux qui vont la voir le jour du jugement dernier, comme le prophète alayhi salam a dit qu'elle va arriver, elle va venir l'enfer le jour du jugement dernier avec 70 000 chaînes. Au bout de toute chaque chaîne, 70 000 anges en train de la traîner. Imaginez-vous l'enfer. 70 000 chaînes. Au bout de chaque chaîne, 70 000 anges en train de la traîner. Et des anges, il n'y a que Allah qui connaît leur force. Subhanahu wa ta'ala. Vous vous imaginez? Et un ange parmi ces anges-là, peut-être il peut retourner ce monde et tout ce qu'il contient avec une de ses ailes. On ne connaît pas leur force. Et elle va venir. Et elle va gronder. L'enfer va gronder le jour du jugement dernier. Et elle aura une langue qui parle. Comme il est venu dans le hadith, que cette tête-là, elle va parler. Et elle va aller pour tous les gens qui ont représenté, qui ont fait des représentations d'êtres vivants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala confirme bien que nous verrons tous l'enfer, mais bi'idhnillah, on espère et on demande à Allah qu'on la voie de très loin et qu'on passe au-dessus de l'enfer sur le pont Sirat, hein, aussi vite que l'éclair et qu'on entre au paradis sans jugement, bi'ghairi hisabin wala 'adhab, sans compte ni châtiment. Naam. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Puis vous la verrez certes ce jour-là avec l'œil de la certitude, c'est-à-dire sans aucun doute. Vous allez le voir avec vos yeux. Pour l'instant, le croyant, il la voit avec l'œil de l'basira, c'est-à-dire qu'il y croit comme s'il la voyait. Avec sa foi. C'est comme s'ils voyaient l'enfer. Certains, alhamdoulilah, parmi les sahaba, et parmi les salaf, et parmi les salihin, et les ulama, ils disaient, c'est comme si je vois l'enfer. C'est comme si je vois l'enfer devant moi. Que même s'il a dit, je voyais l'enfer et le paradis, ça rajouterait rien à ma foi, ça diminuerait rien à ma foi. C'est-à-dire, il a tellement la certitude dans la parole d'Allah, dans la promesse d'Allah, dans la mise en garde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans la promesse et la mise en garde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que pour lui, tu lui montres ou tu ne lui montres pas, ça y est. Là, sa certitude, elle est tellement forte, c'est comme s'il l'avait vu de ses yeux. Et là, ce jour-là, on la verra عين اليقين, avec l'œil de la certitude. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, tu vois avec certitude devant toi une personne ou une chose, bah, c'est la même chose. Tu vas le voir avec l'œil de la certitude sans aucun doute. Naam. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Les savants ont divergé qui sont les personnes concernées par ce verset, ceux qui seront interrogés pour les délices. Est-ce que c'est seulement les mécréants, car ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah en adorant autre que lui, ou en ne lui vouant pas un culte exclusif, ou en lui vouant aucun culte tout court, ou bien c'est général, ça concerne les croyants et les mécréants?
Fassahih, Wallahu a'lam, c'est que c'est général pour tout le monde. Tout le monde sera questionné sur les bienfaits et les délices. Mais le croyant, il sera questionné d'une manière et pour une raison, et le mécréant d'une autre manière et pour une autre raison. Le mécréant, il sera questionné pour le réprimander et pour l'avilir et pour le rabaisser. Alors que le croyant, ce sera pour lui rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle ses bienfaits et lui fasse comprendre que si je t'ai donné tous ces bienfaits en ce monde et tu as cru en moi, il lui rappelle ses bienfaits pour que ce croyant-là, il ait espoir dans les bienfaits qui lui, encore plus dans les bienfaits qu'Allah lui a préparés au paradis. Quand Allah va lui rappeler ses bienfaits, il va espérer et Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, inshallah, qu'on fasse partie de ces gens-là, qu'il cache nos défauts comme il nous les a cachés en ce monde et qu'il nous fasse entrer au paradis pour des délices éternels, pour des délices sans fin, pour des délices complets. Walhamdulillah. Et la preuve que les délices sur lesquels on sera questionné, ça concerne les croyants aussi, c'est le hadith sahih, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti un matin très tôt, dans une autre version, la nuit tard. Il avait très faim. Il est sorti parce qu'à cause de la faim, il ne pouvait plus rester. Il est sorti chercher quelque chose à manger ou sortir. La faim, elle ne pouvait plus le laisser rester comme ça. Quand il est sorti, il a rencontré d'abord Abu Bakr. Il a dit, qui t'a fait sortir? Et Abu Bakr. Abu Bakr, il a eu de la pudeur. Il n'a pas voulu se plaindre de la destinée d'Allah. Donc il a dit à Rasulallah, je suis sorti pour rencontrer le messager d'Allah et pour lui passer le salam. Et c'est pas faux, il est sorti pour ça, mais pas que pour ça. Et quand ils ont rencontré Omar, ils ont dit, ah Omar, qu'est-ce qui t'a fait sortir? Il a dit la faim au messager d'Allah. Et ça, il n'y a pas de mal. Ça, ce n'est pas se plaindre de la destinée d'Allah. Ça, c'est tu annonces quelque chose. Tant que dans cette annonce, il n'y a pas une intonation de haine ou de non-acceptation de la destinée d'Allah, il n'y a aucun mal en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Il a annoncé qu'il était très malade. Il a annoncé, je souffre comme deux d'entre vous. Donc ça, c'est pas se plaindre. Ça, c'est juste une annonce. Il n'y a pas de mal en cela. Donc il a dit, il a faim au messager d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils ont dit, Wallah, c'est la même chose qui nous a sorti. Regardez qui, les meilleurs des hommes. Qu'est-ce qui les a sortis de chez eux? La faim. Nous, venez, on sort, on marche un petit peu pour digérer, on a trop mangé. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses deux compagnons, c'est la faim était tellement rude qu'ils sont sortis. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses deux compagnons, venez, on va aller chez Abu al-Haytham al-Tayhan. Et ça, les savants disent, il y a une preuve que si tu vas chez un ami en qui tu sais que ça ne le dérange pas que tu amènes avec toi des invités sans lui demander son autorisation, tu peux le faire. Ça, c'est quand c'est des amis proches ou des gens de confiance. Tu sais que chez lui, c'est comme chez toi. Tu emmènes des gens chez lui comme tu les emmènes chez toi. Mais en général, par contre, il faut demander la permission. Je suis avec des gens ou je vais venir avec des gens. Mais là, quand c'est des amis, alhamdoulilah, très proches, tu n'as rien chez toi, tu vas chez lui. Tu n'as pas quelque chose pour moi? Lui, il n'a rien chez lui, il vient chez toi. Vous êtes comme une seule famille. Non. Et c'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été chez cette personne. De toute façon, tous les compagnons, c'était pour eux un honneur d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar. Donc, il n'y avait aucun mal. Ils étaient au contraire trop heureux que Allah leur a donné cette opportunité. Ils sont arrivés chez lui, ils ont frappé à la porte. Il n'y a pas eu de réponse. Ils allaient pour repartir. C'est la femme de Abu al-Haytham qui a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, où est ton compagnon? Elle a dit, il est sorti dans notre verger. Il va revenir. Entrez donc. Elle les a fait entrer dans une pièce. Elle les a laissés. Ça aussi, les savants disent, c'est une preuve que si des gens de confiance, des gens âgés, des gens qui craignent Allah, pas une personne seule, plusieurs, sont là, une femme, elle peut les faire rentrer, les mettre dans une pièce chez elle, même si son mari n'est pas là. Comme cette femme a fait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les deux compagnons. Mais ça, attention, c'est pas « na nakhudhu bil itlaq », c'est pas général. Si c'est des gens vraiment de confiance qui craignent Allah, des gens âgés, pas des jeunes, ou des gens de confiance, et ils sont plusieurs, pas une personne.
Une personne seule, non, parce que ça ferait le khulwa. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un homme qui est seul avec une femme sans que Shaitan soit le troisième. Mais là, on voit qu'elle les a accueillis chez elle sans que son mari soit là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refusé d'entrer. Il est entré. Ils sont entrés, ils l'ont attendu. Quand il est arrivé, il les a amenés dans son jardin. Il leur a étendu quelque chose au sol. Ils se sont mis à l'ombre. Il leur a donné de l'eau fraîche. Il avait une très bonne eau fraîche. Des dattes. Le temps qu'il aille sacrifier une bête pour eux. Et c'est ça, subhanallah, regardez, ça c'est la manière d'accueillir des invités plutôt. L'autre, comment il doit accueillir les invités. Il leur donne des choses qui sont déjà prêtes, le temps d'aller préparer à manger. Ça montre aussi qu'un musulman, il est toujours prêt à accueillir quelqu'un. Quand quelqu'un vient, il doit toujours être prêt à lui poser quelque chose. Toujours être prêt à l'accueillir. Il lui a posé des dattes, de l'eau, et il a été pour égorger une bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'égorge pas ta bête laitière. Puis, quand ils ont bu, ils ont mangé les dattes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a regardé ses deux compagnons. Il leur a dit, on est dans de l'ombre, sous l'ombre fraîche, avec de l'eau fraîche et des dattes fraîches. Wallahi, ça fait partie des délices sur lesquels Allah vous interrogera le jour du jugement dernier. Ils sont sortis à cause de la faim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous serez interrogés sur ces délices. Sallallahu alayhi wa sallam. Fahakada, barakallahu fikum, cette sourate, elle nous rappelle l'importance de toujours accourir ou se concurrencer dans les œuvres de l'au-delà et ne pas se concurrencer dans les choses de ce bas monde. Car Allah a blâmé ceux qui se concurrencent en cela, ceux qui veulent le plus de biens, plus d'argent, plus d'enfants, plus d'honneur, plus de suiveurs, plus de célébrités, plus. Mais plus de quoi? Plus de quoi? Si c'est plus de science, la science qui t'approche d'Allah, oui. Si c'est plus d'adoration, oui. Si c'est plus d'humilité, plus de crainte, oui. Mais plus des choses de ce monde, toujours courir derrière, jusqu'à qu'on aille dans les tombes et dans la mort, c'est ça qu'Allah a blâmé. Nasallahu salama wa la afiya. نعم الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما